La Grande Garde devait protéger Stilton à l'époque. Brenna Ashworth est allée raconter au duc. Toutes ces histoires de grand vide, c'est n'importe quoi. Allons voir ça. Qui est... Stilton a noté la combinaison dans ce carnet. C'est le duc qui vous envoie. Partez d'ici. Mais...
Le passé se mêle progressivement au présent. Ou inversement. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans ma demeure. Allons, finissons-en. Ce que nous allons tenter aujourd'hui n'a jamais été fait. Cela va au-delà de ma compréhension et à plus forte raison de la vôtre. Si quelqu'un a le moindre doute, qu'il s'exprime maintenant. C'est une chose qui défie toute explication rationnelle, à la frontière entre la philosophie naturelle et un autre domaine. Ouais, nous risquons de sombrer dans la folie. Je le sens. Plus j'y réfléchis, et plus je pense que c'est une mauvaise idée. Pourquoi vouloir parler avec les morts? Si cette Delilah a vraiment été tuée ou bannie hors de ce monde, elle a peut-être perdu l'esprit. Delilah est plus puissante que jamais. Le duc Abel et moi-même avons entendu sa voix murmurant à nos oreilles. L'heure est venue. Mettez-vous en position. Concentrez-vous sur le grand vide de la vision. Sentez son pouvoir, n'est-ce pas? Par les étoiles. C'est plus excitant que toutes les orgies auxquelles j'ai participé. Attendez, une minute. Je peux pas vraiment... Crétin! Je suis revenu. Je suis de nouveau parmi vous. J'ai échappé au froid glaçant de l'éternité. Étrange, on dirait que ça a fonctionné. Mon esprit est bien gardé maintenant, en sécurité à l'intérieur de cette chose. Lucas, tu dois la mettre en lieu sûr. Je vois encore de l'autre côté. L'un a été changé en pierre, et l'autre a été reforgé et marqué par celui dont les yeux sont noirs. Pauvre Aramis, je n'ai pas d'autre choix que de prendre soin de lui, par loyauté envers mon père. Vous... Attendez. Vous vous cachez, mais je sais qui vous êtes. De quelle époque vous venez? Vous assistez à mon retour aujourd'hui, mais bientôt, c'est moi qui vous trouverai. Le grand vide au-delà du monde est un endroit étrange. Je ne pourrai jamais comprendre tout ce que j'ai vu. Concentrez-vous sur le grand vide à la lisière. Concentrez son pouvoir, n'est-ce pas? Ah, les étoiles, c'est plus excitant que toutes les orgies auxquelles j'ai participé. Attendez, une minute! Je ne peux pas vraiment... Crétin! Megan et Anton pourront peut-être...